Et salut tout le monde, ici c'est Charlie. Bien, on se retrouve à nouveau sur Tomb Raider 3, les aventures de Lara Croft. Donc, nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés, c'est-à-dire au lieu du crash. Oui, bon là, vous voyez les autres niveaux, mais c'est parce que j'ai voulu un petit peu m'avancer. Mais, parce que j'ai pris pas mal de retard. Enfin bref, peu importe, on va continuer donc au deuxième niveau du Pacifique Sud. Donc voilà, donc... On continue, on laisse notre copain se faire bouffer par les pygmées. Enfin bref, peu importe. Donc voilà, ici il faut faire très attention. Parce qu'il n'y a que sur certaines pierres où on peut sauter, évidemment. On ne peut pas aller sur toutes les pierres, comme on peut voir sur cette carte. Voilà. Carte des merailles. Et alors là. Ouf. Je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer de pas me louper. Voilà. Comme ça c'est plus rapide. Donc ici, donc c'est le premier secret. Donc voilà. Donc maintenant dans ce niveau, on va avoir d'autres créatures à battre. Enfin créatures. Ce ne sont pas des créatures, mais bon. Plutôt des êtres préhistoriques. Enfin bref, peu importe. Comme vous l'aurez compris, ici, on va s'attaquer aux dinosaures. Ça ne sera plus les pygmées. Plus les cannibales. Donc voilà. Là, on va s'armer d'un autre flingue. On va prendre le MP5. Si ça ne sera grandement utile. Plutôt coriace, bien. Donc, voilà, on va par là. Alors, la petite musique qui va bien. Ici, on va donc récupérer deux clés. Ils vont nous servir pour plus tard. Bon, c'est un niveau assez court quand même, hein. Il n'est pas très long. Enfin, il peut être très long si on prend certains passages. Mais moi, je ne vais pas les prendre. Pour la simple et bonne raison, pour ne pas faire perdre plus de temps. Enfin, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Bon, pour l'instant, on laisse notre copain s'occuper des dinosaures. À notre place. Là, il se trouve le deuxième secret. Voilà. Attention à ne pas faire des conneries comme d'habitude. Ah, il s'est fait tuer. Il est où d'ailleurs? Ah, il est là. Ah, tiens, bizarre. D'habitude, à chaque fois, ils arrivent à le tuer. Oh, j'y vise dessus ou quoi? C'est con parce que ça me fait gaspiller des munitions, mais c'est pas grave. C'est dommage, mais c'est pas grave. Donc on récupère les munitions du monsieur qui a mouru. Voilà. Ah, je t'ai oublié toi. Voilà. Voilà, donc ici, bon eux c'est... Comme on a vu, ils se dirigent vers la carcasse de ce dinosaure, mais après, au final, ils nous auraient attaqué, donc... Vaut mieux les tuer, comme ça c'est fait. Alors ici, il y a une petite trousse de soins. N'est-ce pas? Alors là, on va retrouver nos amis les T-Rex. Ça faisait un petit moment que je les avais plus vus. Comme dans le 1, dans le 2 et dans le 3, ils y étaient. Et maintenant dans le 3 d'ailleurs. Donc lui, on va faire attention parce que lui, non, parce que lui, il nous one shot lui par contre. Hein. Voilà, on va se mettre en sécurité dans ce petit trou. Comme ça là, au moins on est sûr qu'il va pas nous atteindre. On va prendre le lance-roquette. On va s'amuser à lui tirer quelques balles dessus. Alors, on se met en sécurité.
On se met en sécurité. Voilà. Hop, 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 hop. Oh merde. Bon, c'est pas grave. C'est dommage, mais c'est pas grave. Oh, fais chier. Ça fait deux fois que je l'ai. Oh. Il est à côté, elle arrive pas à le viser non plus. Ah putain. Bon, on va se le finir en MP5. On va se le finir en MP5, c'est mieux. Wow, 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 wow. C'est bon. Combien on a utilisé de balles? Bah 615. Putain, on a utilisé pas mal. Hein. On va essayer d'économiser. Et non, 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 je me suis trompé. On va d'abord actionner donc ce petit levier. Voilà. Sinon, on va être dans la caca. Donc, c'est vrai que je me suis pris quand même pas mal de retard sur Tomb Raider. Et sur Alone in the Dark aussi, pour le coup. Parce que j'ai eu, bon, j'ai eu pas mal de travail les semaines précédentes. Donc, ça fait que j'ai pas eu trop le temps de faire des épisodes. Et en plus, avec quelques collègues, on s'est mis aussi sur Star Wars, The Old Republic. Donc ça, c'est vrai que j'ai un peu perdu le fil. On va se faire, faut qu'on n'en parle plus. Voilà. Donc c'est vrai que comme je disais, j'ai un peu perdu le fil. Donc je vais essayer de me rattraper. Donc c'est pour ça que je me suis avancé un peu dans les épisodes. Dans les épisodes pour retrouver tous les secrets et tout. Alors bon, bien, maintenant on va sortir d'ici. Donc je rappelle qu'il faut une deuxième clé. Voilà. On va aller en face, on va récupérer encore quelques petits objets. Voilà, des munitions, des trousses de soins, enfin comme d'habitude quoi. Voilà. Voilà. Ouais, ça c'est réglé. Voilà, c'était juste pour récupérer quelques munitions, hein, rien de bien important, mais bon, ça fait toujours plaisir. Surtout que des munitions d'un MP5, ça part assez vite. Donc là, on va actionner les leviers pour déverrouiller la porte, pour sortir d'ici. Voilà. Oui. Là, pareil, un petit dinosaure avec deux gardes, on va essayer de s'en occuper. D'ailleurs, ici, je vais me remettre du Magnum, vous allez comprendre pourquoi. On va attendre qu'il le tue, en espérant que ça soit pas trop long. Allez, messieurs, on se bouge un peu. Bon, vous savez quoi d'ailleurs, je vais même pas prendre le Magnum, je vais prendre le lance-grenade, c'est l'arme que j'utilise le moins. Bon, ils vont y arriver ou ils vont pas y arriver hein? Ah là, ça va être bon. Voilà. Ah merde, fais chier. Attends. Voilà. Ça, là, c'est fait. Alors voilà pourquoi je tue les gardes. Je sais, c'est pas très sympa. C'est très connard de ma part. Mais voilà pourquoi je les tue. Tout simplement pour récupérer les munitions. S'ils n'auraient pas de munitions sur eux, je les aurais pas tués. Hein, mais là, vraiment, on s'en fout un peu. Hein. De toute façon, on est dans la jungle. Personne ne nous voit. Donc on les tue. Ça reste entre nous. C'est un peu salaud, mais
C'est vraiment pour les munitions, hein. Déjà? Ah bah t'as pas fait long feu, mon gars. Putain, par contre, ils sont costauds quand même. Putain, il a fallu 3 grenades pour les tuer. Voilà donc. Là, on récupère les munitions et on essaye. On va prendre le Magnum. Cette fois-ci. Et merde, que je fais moi. Ok. Voilà, alors là. On va essayer de tuer un dino qui se trouve en haut de l'arbre. Parce qu'il risque de nous emmerder. Il est amoureux ou il est pas amoureux? Oh yeah, bien joué. Alors là, cette fois-ci, vu qu'il va plus nous emmerder, on peut continuer. D'ailleurs, il y a le troisième secret plus très loin. Ah bon? Ok, si tu veux. Ouais. Donc, la musique pour nous signaler qu'il y avait le dino, mais vu qu'il est décédé, on s'en fiche un peu. Alors ici, on va reprendre notre MP5, voilà, 874. Je vous rappelle que tout à l'heure, j'étais quand même à 600. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable du tout. D'où l'intérêt de les tuer, hein. Je parle des gardes, évidemment. Voilà, alors ici se trouve donc le troisième secret, et le dernier d'ailleurs. Voilà. Donc là, on peut continuer, on redescend. Là, celui-là, on va le faire tomber, on voit un petit dinosaure accroché là, sur une corde. Voilà. Alors, vous allez comprendre pourquoi je l'ai fait tomber dans l'eau. Mais avant, on va aller récupérer une petite trousse de soins. Alors ici, qu'on se rate pas, parce que je me suis déjà raté comme un con. Voilà. Alors voilà pourquoi j'ai fait tomber le petit dino. Ben tout simplement pour que les piranhas le bouffent et me laissent tranquille. Voilà. Ça nous arrange. J'ai actionné le petit levier pour ouvrir la porte ici, juste ici. Avec un petit dino encore. Là, je vais tomber dans l'eau, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. On va essayer. Attendez, je vais voir sur l'autre. Si j'arrive à l'avoir sur l'autre rive. Avec un peu de chance, je pourrais l'avoir. S'il veut bien sortir, évidemment. Ce qui m'étonnerait pas mal. Bon, on va continuer, donc on va aller là-bas, c'est pas bien grave. Pardon, excusez-moi. Merde. Allez, arrête de gueuler, viens ici. Voilà. Ça, c'est réglé. Là, on va vite se mettre en sécurité, voilà. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Voilà. Hop, hop. Oh merde. Je me rappelle plus qu'il y en avait deux. Non, 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 non. Dommage. C'est pareil, de voir où il y en a. Ouais. Ah, en théorie, il devrait y en avoir encore un. Il va pas m'emmerder, ça va, c'est bon. Mais c'est ça. Attendez, il va revenir. Ouais. Donc là, en théorie, il devrait y avoir encore un levier. Voilà, il est là. Donc là, on voit quand même que je gaspille pas mal de torches. Enfin, que je gaspille. J'en ai surtout plus besoin maintenant que j'ai mis la gamma à 3. Je vais l'utiliser parce que c'était assez sombre pour vous.
Et bon, maintenant, j'en ai plus trop besoin des torches, donc je peux me permettre. J'ai oublié de prendre le cristal, mais c'est pas grave. Quoique. Attendez. Il est où? Il est là. On va essayer de faire un truc. Hop, voilà. Pas besoin de le tuer, celui-là, on s'en fout. On va récupérer juste un peu de vie qu'il me fallait. Allez, on peut continuer. Donc cette fois-ci, maintenant qu'on a récupéré les deux clés sur les deux cadavres, on va pouvoir continuer. Sauf que cette fois-ci, il va falloir monter sur la carlingue qu'il y avait au milieu là. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Je pense que oui. Voilà cette carlingue là au milieu. Cette grosse épave d'avion. Il va falloir y monter dessus. Alors ici, il y a deux techniques pour monter sur cette carlingue. Alors, la première technique, la technique officielle, on va dire, c'est de passer, alors, de ce côté, voilà, de passer de ce côté, ici. Là, comme on peut voir, il y a des espèces d'échelles en haut. Voilà, des trucs pour s'agripper. Et, si vous prenez cet endroit, vous allez pénétrer dans une espèce de grotte, vous allez faire plusieurs allers-retours, enfin bref, c'est le gros bordel. Surtout que vous récupérez pas grand-chose dans cette grotte. Je crois qu'il y a deux souvenirs, je crois qu'il y a un cristal. Un cristal de santé et une petite trousse de soins, je crois. Enfin bref, ça, pour monter sur cette carlingue en empruntant ce passage, pardon, vous allez mettre au moins 4-5 minutes. Pour rien en plus. Je l'aurais fait, il y aurait beaucoup de choses à ramasser. Ça aurait été intéressant, mais là c'est vraiment pas intéressant. Donc je vais emprunter le petit chemin que j'ai découvert tout seul. La première fois que j'ai joué sur Tomb Raider. C'est-à-dire, tout simplement, c'est monter ici, voilà. Là, ici, on s'accroche. Tout simplement, c'est tout bata, voilà. Et là, on monte. Voilà. À partir de ce moment-là, vous êtes tranquille. Et ça n'a pris que quelques secondes de monter sur cette carlingue. Sinon, ça vous aurait pris, comme je l'ai dit, 4-5 minutes facile. Voilà, qui est bon. Donc c'est plus rapide, c'est nettement plus rapide. Et puis, c'était vraiment pas intéressant, donc. Donc vaut mieux prendre le chemin que j'ai pris, quoi. Pour monter plus vite sur cette carlingue. Donc là, on a ça, les deux clés qu'on a récupérées. Voilà. Et là, un petit moment que j'adore aussi, c'est mon petit moment préféré du niveau, je vous l'avoue. Ça va être que du shoot. Que du shoot sur Dino. Petite alarme. Là, on va s'armer de ce lance-roquette-là, qui est juste en face. Et on va s'amuser un petit peu en faisant attention, évidemment. Bon, j'abaisserai évidemment le volume sur YouTube pour que vous entendiez ma voix. Et puis, pour pas vous péter les oreilles non plus, parce que moi je suis en train de me les péter là. D'ailleurs, je m'entends presque plus parler. Attention celui-ci, voilà, c'est bon. Ah, je me suis fait un petit peu toucher, c'est pas grave. Oh là, oh là, là. Oh, j'en étais sûr. Je me concentre un peu parce que pour pas trop faire des conneries. Et je suis là. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a quand même pas mal qui sortent. Bon, moi je sais, j'arrête pas de tirer. Mais vu que. Comme je l'ai dit, c'est des munitions infinies. Enfin, comme je l'ai dit, je crois pas l'avoir dit. Mais c'est pas grave. Vu que c'est des munitions infinies, on peut s'amuser.
Ah, ça fait du bien quand même, hein, quand ça s'arrête. Donc voilà, c'est fini. Plus de dino. C'est dommage. Oula, oula, ça lag. Enfin bref, bon, c'est pas grave. Donc là, on va défoncer les deux murs qui sont là-haut. Voilà, ah bah j'ai défoncé celui-là, c'est bon. Donc voilà, à présent, ce niveau est à présent fini. Niveau assez court, en empruntant les chemins que j'ai passés, évidemment. Mais il est néanmoins quand même assez sympa, j'ai apprécié quand même ce niveau. J'apprécie toujours autant, de toute façon. Hein. Je le connais par cœur, mais j'apprécie toujours autant. Donc voilà les amis, ce niveau est à présent terminé. Je vous dis donc à tous à la semaine prochaine pour le prochain niveau de Tomb Raider 3. Et je vais vous laisser apprécier donc la cinématique qui va suivre. Donc je vous dis à tous à très très bientôt. Ombada, Ombada, rrr. Dommage, jour du jeûne. Toi aurais fait bon repas, vraiment dommage. Ah oui? Tu oublies que j'ai peut-être faim, moi aussi. En fait, je suis affamée. Ah. Pourquoi vos ancêtres ont-ils quitté l'Antarctique? Comme un mauvais endroit. Beaucoup de viande, mais choses horribles, monstres, sixième chef, Moki né sans visage. Terrible tempête, hommes effrayés s'enfuirent. Terre maudite, Moki damné, personne ne retourne. Et vous continuez à le vénérer? Hommes blancs venir plus tard avec pierre magique, Koma Koma. Ensuite, fêter sa mort. Délicieuse, Smith, il paraît. Un des marins de Darwin? Quel idiot! Où est la pierre maintenant? Celui qui te mange, très chanceux. Toi, bien enrobé. Eh, pas tant que ça, je suis au régime.